La justice anglaise révèle le stratagème horrible de Mendy pour violer ses victimes. Tout commence avec l'un de ses employés, Louisa Maturi, qui était chargée de trouver des filles à ramener dans le grand manoir isolé de Mendy. Dans un premier temps, tous les téléphones étaient confisqués à l'entrée. Ensuite, dans le manoir, il y aurait une panic room dont seul Mendy connaîtrait le code. Et c'est là que Benjamin aurait violé ses quelques filles, dont une d'elles trois fois dans la même soirée. Mendy risque donc la prison à vie. Crois-tu qu'il est coupable ou bien qu'il est innocent ?